Kif Nobit fait le show et Carmen Sama se fait lyncher. L'événement culturel de ce week-end, c'était bien entendu le concert du groupe Kif Nobit au Sofitel Hôtel Ivoire. Les cinq loups du rap ivoire célébraient leurs 10 ans de carrière. Didi B, Elone, LJ, Joshar et Black K ont donné un show mémorable devant des milliers de fans venus communier avec elle. Et surtout, bien sûr, avec eux. Voilà, elle, vous allez savoir pourquoi elle dit elle, mais eux, à cause des Kif Nobit. Regardez un peu. Au lendemain donc de ce grand spectacle des Kif Nobit, chose étrange, la toile n'a pas retenu la mémorable prestation des cinq loups. Les internautes ont plutôt parlé de Carmen Sama. Elle était présente au concert. La veuve de DJ Arafat est montée sur scène faire la fête avec les artistes, ce qui est tout à fait normal. Si ça te prend, tu montes sur scène. Tout le monde a droit à la scène. Elle a été violemment critiquée par certains internautes sur sa tenue. Certains sont même allés plus loin en l'attaquant sur son physique. Au point où même Didi B a fait une publication pour demander aux internautes de juger leur spectacle plutôt que de s'attaquer à la jeune dame. Pour ça, j'applaudis Didi B. Frère, qu'est-ce que tu lis là-bas? Ce que Didi B a écrit, dis quoi? Oui. Les médias. Oui. Parlez plutôt de la réussite de ces 10 ans de Kif Nobit. Uh-huh. Au lieu de vous concentrer. Tu as un micro et puis tu parles. De... Pourquoi tu es comme ça même? Je reprends. Oui. Les médias. Parlez plutôt de la réussite. Oui. De ces 10 ans de Kif Nobit. Uh-huh. Au lieu de vous concentrer. Oui. Sur l'habillement de Carmen Sama. Vous aimez trop ça. C'est la première fois qu'on a vu femme mal s'habiller ici ou bien? C'est la première fois qu'on a vu femme avoir cellulite ou bien? C'est normal? Quand tu enchaînes, il y a cellulite. Ou bien? Oui! Ceux qui aiment causer avec la poutou, là. Bon. Bref. Avançons! Avançons! Pour quelqu'un qui cause avec la poutou, il comprend. Avançons! C'est votre là. Comprendra. Avançons. Ouais. Le réalisateur en ce moment, Romuald Tra. Voilà, il est pressé comme ça, parce que 11-12, il comprendra. Bon, bref, anyway. Les commentaires étaient parfois très méchants. Personnellement, je pense que les gens sont allés un peu trop loin. Il faut laisser la fille là vivre sa vie. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, autant que nous autres, ou bien? Ouais. Alors, je trouve ça assez méchant de la part, en tout cas, de certaines personnes. Et de là même, en plus, aller comparer son physique à du foutou. Franchement, moi, je pense que je vais doublement adorer encore le foutou. Vive le foutou! Ouais. Yep. Bravo, Ruth Bagby! Un nouveau trophée pour notre championne de taekwondo, Ruth Bagby. La jeune athlète continue de faire honneur à notre pays sur la scène internationale. La médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Rio vient de remporter une nouvelle victoire, pour ne pas dire une nouvelle médaille. C'était lors du premier Open mondial féminin organisé à Riyad, en Arabie Saoudite. L'Ivoirienne était opposée ce samedi à la Française Magda Wiet-Hénin dans la finale des moins de 60 kg. Et sur le score de 11 à 5, elle a envoyé bouler 11 à 5. Une autre médaille d'or en tout cas pour notre sœur Ruth Bagby qui était sur ce plateau ici il n'y a pas très longtemps. C'est une fierté de la Côte d'Ivoire dans l'univers du taekwondo mondial et du sport en général. Bravo encore Ruth. Olivia Yassé et La Falaise Dion font le buzz. On ne pouvait pas laisser passer cette news. Toute la toile ivoirienne est inondée des images de la magnifique robe d'Olivia Yassé. Une création de La Falaise Dion qui a eu aussi à faire des créations pour Beyoncé. Je tiens à le préciser. Quelqu'un m'a dit précision. Merci. Donc La Falaise Dion a fait cette tenue-là qui est faite de pagne à Caen et de cori authentique. C'est pas cori vous prenez pour aller nous zamouter là. Non, c'est cori authentique. Ils n'ont pas encore zamouté ça. Une tenue tout simplement magnifique qui a été partagée par de nombreux internautes et influenceurs. Le moins qu'on puisse dire en tout cas, c'est que la reine de beauté ivoirienne a frappé un gros coup avec cette robe. Bravo encore à La Falaise Dion et bonne chance encore, bien sûr, à notre très chère Olivia Yassé pour le concours Miss Monde. Olivia va revenir avec la couronne. Regardez seulement. Elle va gagner. Alors. Adieu Virgil Abloh. Le célèbre designer, disque jockey, influenceur et homme d'affaires Virgil Abloh a malheureusement tiré sa révérence hier à Chicago. Il était âgé de seulement 41 ans. L'homme luttait secrètement contre un cancer il y a plusieurs années et le mal a fini par l'emporter. Virgil Abloh est le premier noir à être à la tête de la ligne pour hommes chez Louis Vuitton. Virgil Abloh est également le créateur de la marque Off-White qui a réussi à mêler luxe et streetwear et s'est très rapidement imposé auprès des jeunes. La nouvelle de son décès a été annoncée sur la page officielle du groupe LVMH
et de nombreuses célébrités de la pop culture telles que Jay-Z ou encore 21 Savage ont rendu hommage à celui qui a marqué de son empreinte le milieu du design et de la street culture. Jay-Z, Kanye West ou encore 21 Savage encore sont inconsolables. Adieu Virgil Abloh, que la terre te soit légère.